Voor de tour op het circuit van Francorchamps, wat combien? Is dat resultaat? 3 minuten, presque 3 minuten. 2,59, oui. 2,59, oui. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Je suis très content. Ouais. C'est bien. C'est. On n'a pas du tout l'impression de vitesse parce qu'il n'y a pas de bruit. Bon, il faut un petit peu s'habituer à la façon de la piloter. C'est assez différent avec la poignée de gaz. Il faut beaucoup plus anticiper. Enfin, il y a 2-3 trucs à apprendre, mais ça va très vite. Et alors, on a beaucoup moins le sentiment de vitesse. Mais bon, c'est bien. Je savais que c'était un bon temps parce qu'il y avait une moto qui essayait de me suivre pour me filmer, qui n'a pas réussi à me suivre. Donc, je savais que c'était un bon temps. Didier, ziet nu de toekomst elektrische motos? We gaan binnenkort de andere motos verdwijnen van het circuit. Je crois que effectivement c'est le futur de la compétition auto moto. Je pense que l'électrique est vraiment le futur. Il faut encore un petit peu progresser en puissance. Je voudrais que ça aille un peu plus vite, mais on est vraiment au début, donc forcément ça ne peut que progresser. Et moi je trouve ça très bien. En tant que pilote,
je trouve ça parfait. On a les mêmes sensations. C'est toujours la difficulté, c'est toujours celle d'aller plus vite que les autres. Donc ça, c'est la même chose. Il y a une excellente tenue de route sur cette moto. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit un moteur électrique. Est-ce que ça aide à avoir une meilleure tenue de route? Je ne sais pas, mais excellente tenue de route, très bon freinage. Donc il y a vraiment moyen de s'amuser, de faire des temps. Et bon, il faut voir maintenant au niveau des spectateurs, parce que peut-être, je ne sais pas si ça plaît aux spectateurs de voir une course sans bruit ou pas. Ça, je ne sais pas. Il faudrait que j'essaye maintenant d'être spectateur d'une course électrique. Ja, want het is niet alleen het geluid, het is ook de geur die er niet meer zal zijn. Hè? Et ça, ça veut dire quoi? Donc l'odeur de l'essence. Ouf, oui, c'est vrai qu'on est, c'est vrai qu'on est habitué. Je suis né dans l'odeur d'huile de ricin et d'essence. Et c'est vrai que, mais je ne crois pas que ça va me manquer à une époque comme aujourd'hui. D'abord, on n'utilise plus l'huile de ricin. Maintenant, les circuits n'ont plus vraiment une odeur comme c'était le cas avant. Et de toute façon, l'odeur que ça a, c'est pas vraiment ce qu'on peut en retirer de mieux d'un week-end sur circuit. Spijt dat u deze periode niet heeft meegemaakt in uw professionnelle carrière. Je suis très content d'avoir établi un record, un premier record, un record du monde. On l'appelle comme on veut, mais je suis très fier d'avoir établi ce genre de record, un record qui regarde vers l'avenir et un record écologique, un record qui est fait pour apporter quelque chose à notre monde. Et oui, je suis très fier aujourd'hui. Je pense que je le serai dans le futur. Et puis le record, voilà, il est établi. Il ne demande qu'à être battu. Je ne demande que ça. Je serai très content que quelqu'un aille plus vite que 2:59.8 ici à Francorchamps. Je serai très content, mais je reviendrai à ce moment-là pour faire mieux. Ok, bedankt Didier.